Chers Ivoiriens, pour ceux qui me soutiennent dans ma lutte, partagez-moi cette vidéo. Voilà. Pour ceux qui me soutiennent dans ma lutte, partagez-moi cette vidéo. Ça, c'est ma lutte à moi seul. Même mon parti politique peut-être va me combattre. Mais c'est mon lutte à moi seul. Parce que je serai le seul cyberactiviste qui en parle. C'est mon lutte à moi seul. Comme je vous ai donné rendez-vous, c'est vrai que je passe tardivement encore. Je suis vraiment désolé. Il est 15h54. Ce qui voudrait dire qu'il est encore 16h comme hier. Voilà. Et 16h aux États-Unis. Vraiment, quand vous calculez dans vos différents pays, je sais qu'il est tard. Mes chers camarades, le combat va pour se poursuivre. Et tout ça, c'est le combat panafricain parce que des personnes comme Guillaume Soro, il faut les combattre pour que le panafricanisme puisse avancer. Si nous ne combattons pas des personnes comme Guillaume Soro, le panafricanisme ne pourra pas avancer parce qu'il y aura toujours des gens comme lui pour nous mettre les bâtons dans les roues. Aujourd'hui, encore une fois de plus, c'est vrai, très épuisé, je le suis, mais ça ne m'empêchera pas donc de faire mon speech. On va demander au premier écrivain, il est le premier écrivain de la Côte d'Ivoire à écrire sur la rébellion. Et ce qu'il a eu à dire dans la rébellion, dans donc son livre, on va essayer de voir si ça tient, si cela tient. Chers Africains, chers Ivoiriens, partagez-moi cette vidéo. Hier, vous l'avez partagée, j'ai vu 900 partages en bas de la récente vidéo sur Facebook. Partagez-moi cette vidéo, je compte sur vous, je ne vais pas attendre à ce que vous soyez nombreux, vous êtes déjà plus de 100 et quelques. On peut déjà commencer la vidéo. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Et sachez que, parce qu'il y a des personnes que j'ai remarquées positivement, mais dès que j'ai commencé à attaquer Soro Guillaume, ces personnes ont commencé, au lieu d'envoyer des arguments, à donc dire des propos qui n'ont rien à voir avec ceux dont je parle. J'ai bloqué toutes ces personnes. Alors, si vous m'appréciez et que vous n'aimez pas la partie de Guillaume Soro et que vous voulez me suivre, je pense que c'est simple. Je vais vous donner une solution. À chaque fois que vous apparaissez, je mets toujours les thèmes. Et avec lui, je vais mettre les images qui vont avec. Donc, c'est facile de savoir dès la table de la vidéo que je parle de Guillaume Soro. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez vos clics et vos claques et vous partez dormir. Le lendemain, le jour que je parle d'un autre sujet, vous pourrez venir. Ça va vous éviter de vous faire bloquer pour toujours. Ça va vraiment vous éviter cela. Donc, cette caméra n'est pas du tout bonne. Oh. Voilà. Ça va vous éviter de vous faire bloquer pour rien et vous n'aurez plus accès à moi. Il y a des grands combats qui nous attendent parce que la Côte d'Ivoire doit tomber entre les mains du NRP, le Sénégal, la Guinée, et tout ça. Je vais dire le Sénégal, le Togo, le Bénin. Et ça, c'est des combats où je vais encore framponner comme je l'ai fait pour le Niger. Et vous allez peut-être malheureusement pas voir toutes mes vidéos, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Vous ne pourrez pas avoir accès à ces vidéos parce que vous seriez bloqué. Oh, ce téléphone-là. Donnez-moi un instant. Hein. C'est en train de fatiguer mon ordinateur. Là. Facebook, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me voyez bien? Ça, la caméra n'est pas du tout bonne. Faites avec. Hein. Aujourd'hui, vous avez la mauvaise caméra. Voilà. On va commencer. On va commencer et sachez que je bloque en direct. Hein. Voilà, je vais suivre le direct ici et je bloque en direct. Donc, je préviens. Voilà. Voilà quelqu'un qui dit, tu ne maîtrises rien. Alors, ce que je ne maîtrise pas, il faut mettre ce que je ne maîtrise pas. Il faut dire, tu ne maîtrises pas tel sujet, tu as dit telle chose, ce n'est pas juste. Comme ça, on fait. Voilà, M. Marcelin Nguessan. Voilà. OK? Mais je vais vous bloquer, je vais avancer. Je lis vos commentaires et je bloque en direct, s'il vous plaît. Voilà, donc faites très attention. En ce qui concerne Soro Guillaume, je suis sans pitié parce qu'ils ont été sans pitié hier. Voilà. On va bloquer M. Marcelin parce que ce n'est pas un débat. Donc, vraiment, je ne suis pas en train de faire un débat, sinon je serais très perturbé. Mais toutes les personnes qui vont commenter de travers, je les bloque, étant même en direct. Et puis après, je m'occupe des autres. Donc, M. Marcelin, c'est terminé pour lui. Il ne va plus bavarder. On va écouter ceci, chers camarades. 2022, donc 20 ans. En réalité, quand on regarde 2022, donc 20 ans après, on se rend compte qu'en réalité, on a mené le juste combat, mais pour la mauvaise raison. Merci. Pour l'amour. Voilà la une niaï de Guillaume Soro, qui est en même temps soi-disant avocate. Elle a fait le droit, elle est avocate. Sa récente sortie,
Je ne sais pas pourquoi cette année, ils n'ont pas fait de sortie. Hein, parce que hier, ils ont fait, l'année dernière, ils ont fait des sorties. Ils ont fait une sortie. Cette année, elle n'a pas venu bavarder. On dirait, plus le temps passe, plus les gens comprennent qu'ils ne vont jamais devenir quelque chose en politique. Voilà. Sinon, ça, c'était l'année dernière. Elle dit, on a fait le bon combat pour la mauvaise personne. Et ça, ça a été posté non seulement sur gps.com, mais je ne sais pas quoi, ils ont les pages. Et Brut a fait le travail. Et Guillaume Soro, le rebelle au gros ventre, rempli de caca, joue d'agouti, il a posté sur sa page. Ça, c'était l'année dernière. Quand vous entendez ça, vous pensez que le GPS est un parti politique qui regrette les actions qu'ils ont eu à poser? Alors, où est le sens du soi-disant pardon qu'il aurait demandé si eux-mêmes, jusqu'à présent, ils caractérisent ces actions de bon combat? Mais réfléchissons, chers Ivoiriens, chers Africains. Mais réfléchissons. Après Guillaume Soro, c'est celle-là qui vient. Si je peux le faire, si je peux dire ça comme ça. Après Guillaume Soro, c'est celle-là, femme aux grosses lèvres, là, c'est elle qui vient. Dans leur parti, soi-disant parti politique. Là. Elle dit, on a mené le bon combat, mais pour la mauvaise personne. Entends-moi, c'est le combat là. C'est à cause du combat que je le combat. C'est qu'ils ont appelé combat hier là. Mais c'est à cause de ça que moi je le combat. Je ne le combats pas parce qu'ils ont soutenu un certain Drama Ouattara qui serait une mauvaise personne. Mais c'est ce qu'ils ont fait dans le combat. On peut combattre un combat sans mettre la fin, sans mettre fin à la vie des gens. On peut combattre un combat sans mettre fin à la vie des gens. Monsieur Tiani a combattu combat, il n'a pas tué Bazoum et sa famille. C'est ce qu'eux, ils ont fait. Ils ont tué Boga Doudou. Ils ont tué Dagrou Lula. Ils ont tué Dali Yoblet. Ils ont tué Marcelin Yassé. La liste est vraiment exhaustive. Même 10 ans plus tard, ou bien si vous voulez, beaucoup d'années plus tard, 9 ans plus tard, ou bien combien d'années plus tard, ils ont tué encore Désiré Tagro. Et tout ça, c'est Soro Guillaume et ses hommes, et Draman Ouattara et leur groupe là qui ont eu à faire cela. Voici les images pour ceux qui sont sur Facebook. Regardez là, en haut ici, voici les images de Guillaume Soro. Vous voyez cette première image au fond là-bas, il est en treillis. Je me pose la question de savoir, Guillaume Soro est-il un militaire? Il est en treillis. Et si vous regardez très bien, voici un chef rebelle ici, un autre chef rebelle ici, et derrière c'est rempli de rebelles. Et lui-même il est en treillis. C'est l'image qui est entourée là. Je parle de Facebook, vous voyez les images, parce que là-bas, il y a la possibilité de mettre les images en direct. L'image qui est juste derrière, c'est lui qui est là, il est en civil, et tout le monde est en treillis. Et vous pouvez reconnaître le chef rebelle qui est là. Je pense que c'est Vecho, commandant Vecho. C'est lui qui a parti attraper Gbagbo Laura et qui a mis casque sur Gbagbo Laura. C'est les éléments qui sont rentrés. Lorsque la France a fini de bombarder, c'est les éléments qui sont rentrés pour prendre Gbagbo Laura. C'est le même Vecho là qui est là. Soro Guillaume est là. Vous voyez? Alors, je vais bloquer encore. Ça va nous perturber, mais ce n'est pas grave. Voilà. Bloquer définitif. Hein. Je bloque définitivement. Donc, soit vous regardez, vous taisez, ou soit vous partez. C'est tellement simple, hein, ce que je fais. Voilà. On va avancer. Donc, chers camarades, écoutez encore. En réalité, quand on regarde 2022, donc 20 ans après, on se rend compte qu'en réalité, on a mené le juste combat, mais pour la mauvaise raison. Pour la mauvaise personne. Il n'y a pas d'un côté les criminels et puis de l'autre côté des innocents. Voilà. Ça, c'est un autre encore, un autre type du GPS. Donc, les partis politiques là ne regrettent pas. Et ils ne suivent que la ligne de Guillaume Soro. Et ils ne regrettent pas ce qu'ils ont fait. Comment dans une guerre, il n'y a pas criminel et puis il n'y a pas victime? Est-ce que ça existe dans une guerre? Ça n'existe nulle part. Une bagarre. Une guerre, il y a toujours un qui attaque, il y a toujours un qui a tort ou un qui a raison. Mais voilà ce que le deuxième responsable dit. Il dit, ce qui s'est passé, ce qu'on a fait subir au peuple de Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'un côté les criminels et de l'autre côté les victimes ou les personnes qui ont eu raison. Tout le monde a tort pour eux. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi je dis à toutes ces Ivoiriennes, et la plupart c'est des femmes, qui viennent me dire, ah, Herman, il ne faut pas faire ça. Guillaume Soro, c'est ton frère. Il dit, cela, ce parti politique sera dangereux que le RDR. Si un jour ils arrivent au pouvoir, vous n'allez pas croire. On peut commettre les atrocités qu'on a commises en Côte d'Ivoire et puis dire qu'il n'y a pas d'un côté les criminels et de l'autre côté les trucs. C'est ce qu'il vient de dire. Ce n'est pas fini. On va poursuivre. En tant que politique, on ne peut pas se réjouir de ce qu'une grave crise intervienne dans le pays. Et même si cette crise doit amener des comportements nouveaux, mais il y a quand même une crise. Il y a une violence qui a engendré des morts, des blessés. Et vous voyez le troisième?
C'était un collaborateur, je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble. Mais regardez, le troisième a commencé à les trahir, a trahi le deuxième qui est en bas là-bas. Le troisième dit, mais parce que ce que les deux premiers ont dit, les deux se réjouissent de ce qui s'est passé. La dame aux grosses lèvres et puis lui qui était en bas. Aux grosses lèvres, elle dit, on a mené le combat juste, le bon combat. Ça veut dire toute action qu'ils ont eu à poser, égorger les gendarmes, faire telle chose, c'est un bon combat. Quand on dit bon combat, c'est que c'est bon. Il y a le mot bon dedans. L'autre dit, il n'y a pas d'un côté criminel, il n'y a pas d'un côté de l'autre côté. Mais le troisième a dit, mais il y a quand même eu des morts. C'est là mon interrogation, le troisième. Le troisième qui a parlé là, j'ai oublié un peu son nom. C'est là mon problème. Il y a eu des morts. S'il y a eu des morts, qui a tué ces morts? Pourquoi ces morts, les gens sont morts? Parce que je pouvais mourir. Donc quand je fais ce combat, je parle pour moi aussi. Si j'étais mort, comme je ne suis pas mort, je parle pour mon cadavre qui allait mourir parmi ces jeunes patriotes. Parce que si j'avais l'âge que j'ai là, quand tu en es 22 ans dans mon âge, il ne reste plus rien. C'est pourquoi je ne suis pas mort. Parce que j'étais très petit. J'étais conscient. Je n'oublie rien, mais j'étais encore très petit. Je suis resté à la maison. Si je sortais, j'allais mourir aussi. Donc, comme je ne suis pas mort, je parle pour tous mes grands frères qui sont morts il y a plus de 20 ans en arrière. Parce que 21 ans en arrière. Et ça, je l'ai dit hier. Celui qui n'aime pas ma position, celui qui n'aime pas. Ça dit concernant la Côte d'Ivoire, là, voici l'un de mes combats. Celui qui n'aime pas ça. Il faut attendre. Quand je vais parler d'un autre pays, tu vas venir. Parce que si je vais parler de Côte d'Ivoire, je vais durer sur ces genres de choses-là. Il y a eu quand même des morts. Le monsieur vient de le dire, hein, il est du GPS. Lui qui vient de dire là. Donc ça veut dire, on est d'accord qu'il y a eu des morts. On va aller en profondeur tout à l'heure. Écoutons encore. Ils interviennent dans le pays. Et même si cette crise doit amener des comportements nouveaux, mais il y a quand même eu une crise. Il y a eu une violence qui a engendré des morts, des blessés. Il y a eu des violences qui ont engendré des morts. Mais Blé Goudé a posé la question, il a été acquitté. Blé Goudé a posé la question à Madame la Présidente de la CPI. Il y avait deux camps qui s'affrontaient. Le camp de Guillaume Soro, parrainé, présidé par Dramane Ouattara. Le camp des jeunes patriotes, parrainé, présidé par Gbagbo Laurent. Il dit, Madame, moi je me réclame du second clan. C'est nous qui avons créé en Côte d'Ivoire le combat aux mains nues. Donc, Madame la Présidente, une question me taraude. Qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire? C'est une question à laquelle on doit répondre. Mais c'est ce que le monsieur dit ici. Il dit qu'il y a quand même eu des violences. Il y a eu des morts. Donc si vous voulez que la... Parce que moi, je fais mon combat comme je le peux. Hein. Si demain je travaille ou je suis marié, moi je regarderai ailleurs. J'ai déjà dit, si tu tapes Guillaume Soro et puis tu mets Herman devant, tu vas avoir plus de 30 vidéos. Il y a longtemps. Il a déjà frappé sur Guillaume Soro, il y a longtemps, mais j'étais pas sur Facebook. Mais il y a longtemps, je suis dessus. Et en ce qui concerne Guillaume Soro, qu'il y ait 1000 personnes, qu'il y ait 2 personnes, je parlerai. Et ça, ce que je suis en train de faire, c'est les quelques commentaires de ces femmes, de ces bêtes-là. C'est ça qui me pousse à parler. Je suis pas encore dans le fin fond du sujet. Parce que je vais le prendre. Chers camarades, on va pas terminer cette interview. Ils ont dit beaucoup d'énormités. Beaucoup d'énormités que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Mais on va partir doucement. On va partir par image. On va partir par image. Chers Africains, partagez. Chers Ivoiriens, partagez. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Je lis encore les commentaires et je bloque au fur et à mesure. Bien, on a bloqué ce qu'on peut bloquer et on continue. Regardez ceci, je vais lire quelque chose pour vous. 19 septembre 2002, 19 septembre 2023. 21 ans d'une rébellion inutile. Ce jour-là, le 19 septembre 2002, la rébellion des Soro Guillaume ébranla fortement la Côte d'Ivoire. Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, il est aux alentours précisément de 3 heures du matin, quand les hommes en armes de Soro Guillaume lancent l'assaut sur plusieurs casernes et plusieurs gendarmeries d'Abidjan. Mais la capitale économique n'est pas la seule ville à être embrasée.
de manière simultanée, des attaques identiques sont menées dans le nord ivoirien, précisément à Bouaké, à Korogo, etc. Des jeunes militaires instrumentalisés par Guillaume Soro, ayant échoué dans leur tentative de renverser le président Laurent Gbagbo, se repliaient dans le nord du pays et y jetaient des bases d'une rébellion dont ils consolideront rapidement les assises. Selon les propos de Guillaume Soro lui-même, l'exclusion allait même jusqu'à dans les rouages de l'administration où la consonance d'un patronyme avait toute son importance. C'est-à-dire quoi? Quand tu t'appelles quand tu t'appelles par exemple Soro, Konaté, etc., etc., les pro-Gbagbo te prennent et puis te tuent. Gbagbo Laurent, les militaires de Gbagbo Laurent te prennent et ils te tuent. On a écouté une émission hier. Je vais relancer la mission d'aujourd'hui. L'émission, on va suivre l'émission dans son intégralité tout à l'heure. On continue cette petite lecture qui est presque finie. Donc, la consonance d'un patronyme avait toute son importance. Les nordistes étaient interdits de porter des boubous en Côte d'Ivoire. Lorsque un policier ou un gendarme croise un djoula, il le tuait systématiquement. Les djoulas ne pouvaient plus sortir de leur maison. L'instrumentalisation dans la mémoire des frères du Nord par Guillaume Soro sur RFI, France 24, etc., ont poussé nos frères du Nord dans la toute quasi-totalité à prendre les armes contre leurs frères du Sud, du Centre, etc. Ce jour-là, le général Guy Robert et sa famille ont été assassinés. Marcelin Yassé, un innocent, fut également assassiné par des commandos de Guillaume Soro en rentrant juste d'un concert. Pour démontrer leur bravoure, Émile Boga Doudou, ministre d'alors du gouvernement de M. Gbagbo Laurent, a été vulgairement et lâchement assassiné pour couronner leur rébellion du 19 septembre. Aujourd'hui, il y a plus de 21 ans que cette rébellion a détruit des vies humaines. Des femmes ont été violées, éventrées, des hommes sodomisés. Des personnes ont été amputées. Les hommes de Guillaume Soro, précisément le FRC, comment on appelle les hommes de Guillaume Soro là, j'oublie un peu le nom, le MPCI amputait des gens en posant des questions comme quoi, est-ce que tu veux une manche longue ou une manche courte, et demandant au maire de choisir entre leurs bras et leurs enfants. Je voudrais savoir ce que cette rébellion a apporté à la Côte d'Ivoire, qui a tant coûté à la Côte d'Ivoire. On peut certes oublier ce qui s'est passé pour panser des blessures comme plusieurs de mes compatriotes ivoiriens et ivoiriennes me le font chanter. Parce que vous me faites du chantage. Ça, c'est une partie de mon livre. Voilà. À Soro Guillaume, je veux dire, tant qu'il ne répond pas aux questions qui sont les suivantes, je vais vous lire les questions. Donnez-moi un instant parce que je suis dans mon Word et je vais lire maintenant les questions. Première question. Qui a financé la rébellion? Si vous voulez qu'il laisse Guillaume Soro tranquille là, voici quelques questions auxquelles il doit répondre publiquement. Qui a financé la rébellion de 2002 à 2010? Parce qu'il a menti à Alain Foucault. Aujourd'hui, Alain Foucault est devenu panafricain comme moi. Alain Foucault, il ne parle plus trop sur RFI. Il ne parle même plus sur RFI. Il a sa propre chaîne YouTube. Alain Foucault fait le combat du Niger, le combat du Burkina et du Mali, comme moi. Mais c'est Alain Foucault qui a travaillé pour RFI. Alain Foucault a demandé à Guillaume Soro, on va regarder la vidéo dans ce direct là. Qui a financé cette rébellion? Il a menti. Il dit que c'est lui-même qui était son propre patron. Guillaume Soro avait-il les moyens d'acheter des obus, des 4x4, on ne sait pas où les rebelles ont enlevé des voitures, des armes lourdes? Et Ibrahim Koulibaly, quelques secondes, quelques minutes avant sa mort, il a eu à dire ça. Lorsque les hommes de Guillaume Soro sont rentrés à Bobo pour tuer Ibrahim Koulibaly,
Lorsque les Blancs l'ont appelé, il dit, madame, mais c'est Guillaume Soré et ses hommes qui veulent me tuer. Moi qui ai initié cette rébellion, moi qui suis le père de cette rébellion, Guillaume Soré veut me tuer. Est-ce qu'ils sont obligés d'utiliser des armes lourdes contre nous? Parce que les gens avaient des mortiers. Il y a des armes sur lesquelles on s'assoit comme ça. On s'assoit sur ça comme ça, puis ça fait tout, 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 tout. Les rebelles avaient ça en Côte d'Ivoire. Donc si Guillaume Soro veut vraiment que moi je lui laisse tranquille, voici les questions auxquelles il doit répondre. Voici les questions auxquelles... Oh, je suis sorti du Word. Donnez-moi un instant. C'est le chapitre 13. Donc je vais descendre encore. Donnez-moi un instant. Je suis sorti du Word là. Il faut que je lui pose ces questions-là. Donnez-moi un instant. Je vais chercher. Voilà. Tant qu'il ne répond pas à ces questions, moi, je ne vais jamais arrêter de parler de lui. Je vais simplement rappeler l'histoire pour ne pas qu'on l'oublie. Parce que ce n'est pas des gens, ce n'est pas des personnes qu'on doit oublier comme ça. On va bloquer. Ce n'est pas des personnes qu'on doit oublier comme ça, chers camarades. Voilà. Bien. Blocage effectué. Blocage effectué. On continue. Première question. Qui a financé cette rébellion? C'est une question à laquelle Guillaume doit répondre. Parce qu'il en était le chef. Il n'est pas seulement un rebelle à qui on donne une calage. Il n'était même pas sur le, il n'était même pas sur le terrain. Il était le chef des rebelles. Donc il sait exactement qui a financé la rébellion. Et c'est un homme intelligent mais dans le mal. Il a peut-être pris ses précautions en enregistrant des gens, en gardant certains fichiers. Parce que nous étions encore dans l'ère de la modernisation, chers camarades. On pouvait encore enregistrer des gens. On pouvait prendre des photos. Donc qui a financé cette rébellion? Tant qu'il ne répond pas, donne-moi un instant. Tant qu'il ne répond pas à cette question, je n'arrêterai jamais de parler de lui. Attends, j'arrive. Il y a quelqu'un derrière ma maison. Attendez, donne-moi un instant. Donc c'est une question à laquelle il faut qu'il réponde. La deuxième question sera la suivante. Qui a massacré le peuple Way? Qui a réellement massacré le peuple Way? Ceux qui ont eu à tirer là-bas répondaient aux ordres de qui? Parce que le massacre Way, les auteurs doivent être punis. Les auteurs du massacre Way doivent être punis. À massacrer le peuple Way. C'est une question à laquelle Guillaume Soro doit répondre. Tant qu'il ne répond pas à cette question, il aura toujours eu tort. Parce que c'est lui qui doit répondre à cette question. Qui a tué le peuple Way? Qui a massacré le peuple Way? C'est une question à laquelle il doit répondre. S'il ne répond pas à cette question, tôt ou tard, il payera pour ce qu'il a fait. Parce que c'est lui qui a fait cela. Il faut qu'il réponde à cette question. Troisième question. Oh, je suis sorti encore. Donne-moi un dernier instant.
Les gens rentrent dans le show des gens comme ça. Moi, maintenant, je ne veux pas que quelqu'un rentre chez moi sans ma permission. Hein. Voilà. Quand je suis en train de voir les choses. Tu veux rentrer là, mais tu viens, tu demandes au propriétaire, tu rentres comme ça derrière la maison des gens. En temps, c'est clôturé. Donc, désolé, j'étais sorti pour les dégager de là. Voilà. Donc, c'était la deuxième question. Troisième question. Qui a réellement gagné les élections d'octobre 2010? Qui a gagné les élections d'octobre 2010? On dit quatre partages. Attends, il y a voir. Il y a quatre partages. C'est comment? Attends, il y a voir. Ah, ok, 87 partages. Ah, j'étais étonné. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Qui a réellement gagné les élections d'octobre 2010? Parce que même KKB a eu à répondre à cette question. KKB qui est ministre actuellement là. Mon ami, il faut essayer de faire les copier-coller, sinon il va te bloquer. Parce que ça va envoyer un mauvais signal à Facebook. Donc, arrête de faire copier-coller, s'il te plaît. Le message, les gens ont déjà lu le message. C'est pas la peine de le mettre 1000 fois, s'il te plaît. Ok? Qui a gagné les élections? Parce que Guillaume Soro sait exactement qui a gagné les élections. Guillaume Soro sait que les urnes ont été bourrées. Donc, qui a gagné les élections? S'il veut vraiment que les Ivoiriens commencent à lui faire confiance, ou bien commencent à lui accorder un quelconque pardon, qu'il nous dise la vérité. Il le sait très bien. Guillaume Soro sait qui a gagné les élections. Guillaume Soro sait comment est-ce que les troubles ont été menés. Ah, le gars, mais je lui parle, il continue. Attends, je vais le bloquer. Il dit, il faut arrêter de faire les conneries, tu continues. Attends, je n'arrive pas à le bloquer, là, va t'elle le bloquer ici. Je vais te suspendre pour 15 minutes. Si tu reviens encore, je vais te bloquer. Hein. Pour moi, tu es suspendu pour 15 minutes. Va te balader pendant 15 minutes et le direct sera valable pour toi dans 15 minutes. Donc, qui a réellement gagné les élections d'octobre 2010? Voilà les quelques quatre questions que je vais poser pour l'instant. Parce que ce sont les questions clés. Qui a financé la rébellion? Qui a tué le peuple ouais? Qui a massacré le peuple ouais? Dans les régions de Guénon, de Kavali, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Qui a gagné les élections présidentielles? Si Guillaume Guibafori Soro répond sincèrement, honnêtement et crédiblement à ces questions, il aura fait un grand pas vers une quelconque miséricorde qu'il aimerait recevoir de la part du peuple de Côte d'Ivoire. Mais ces quatre questions-là, Guillaume Soro ne va jamais répondre à ces questions jusqu'il va mourir. Parce que je le connais. Guillaume Guibafori Soro que vous voyez là, je vais laisser mon word parce que ça, après, on va faire sortir. Les gens auront le temps de bien voir ça. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, les partages ne montent pas. Guillaume Soro que vous voyez là, il ne va jamais se prononcer sur ces quatre questions jusqu'il va mourir. Parce que le cœur qu'il a là, c'est un cœur qui dépasse le cœur des démons. Partagez, il n'y a pas assez de personnes. Vous étiez 400, là vous êtes à 370. Partagez, YouTube, mettez des cœurs, des étoiles. Pardon. Mais je ne suis pas trop tranquille dans ma tête, mais ce n'est pas grave. Il y a fait un peu pour voilà. Il y a tapé un peu, sinon il y a trop de choses dans ma tête. Voilà. Mettez des pouces bleus, s'il vous plaît. Voilà, mettez des pouces bleus. Facebook, même ceux qui vont regarder demain, après-demain, les autres jours, continuez de partager. Partagez cette vidéo. Je mets Guillaume Soro au défi. Les gens disent qu'il a demandé pardon. S'il a vraiment demandé pardon, il n'a qu'à répondre sincèrement à ces quatre questions-là. Il n'a qu'à répondre à ces questions. Il n'a qu'à répondre sincèrement. Il a les réponses de ces questions. Il sait exactement pourquoi le peuple a été massacré. Il sait exactement qui a gagné les élections. Il sait exactement qui a tué Désiré Tagro. J'ai même oublié de mettre ça ici. Qui a tué Désiré Tagro? Qui était le sniper qui a tué Désiré Tagro? Qui a donné l'ordre pour que Désiré meure? Parce que là, au moins, il s'est prononcé là-dessus, hein? Mais du côté monstrueux, monstrueuse, monstrueux, si vous voulez. Du côté malsain.
Il était au téléphone avec Djibril Bassolé du Burkina Faso. L'audio est toujours disponible, c'est valable pour tout le monde. Il dit si on n'avait pas tué. Et là, il a dit on. Donc, ce n'est pas précis. Donc, ça veut dire que lui-même, il est impliqué déjà. Parce que si vous fouillez bien sur YouTube, vous allez voir une vidéo d'un certain Doumbouya. Il est en France. Il a porté plainte contre Guillaume Soro pour les massacres de ses frères de la rébellion. Et il y a Ibé qui sort dedans. Et on dit que c'est lui qui a tué Ibé. Mais on laisse ça. Concernant l'appel téléphonique, Guillaume Soro riait à gauche déployée et disait si on n'avait pas tué Ibé et puis Désiré Tagro, tu penses qu'on allait diriger comme on dirige aujourd'hui là? On n'allait pas diriger en paix. Donc chez vous au Burkina là, il y a des gens qui ne peuvent pas vivre et vous allez diriger en paix. Peut-être même Ibrahim Traoré était sur la liste. Mais c'est des gens qui ont toutes les informations. Il dit, il y a des gens qui ne peuvent pas être en vie et vous allez diriger en paix. Tous les jours, il va chercher à faire coup d'état. Tous les jours, il va chercher à vous renverser. Il a dit ça, il riait aux éclats. Donc, pourquoi on te pardonne? Comme hier, on a discuté là-dessus, on était un peu dans la Bible. La Bible dit, celui qui reconnaît, qui avoue, qui reconnaît et qui délaisse, obtient miséricorde. Mais au moins, il faut avouer. Il n'a même pas encore fait le premier niveau où vous me parlez d'un pardon. On a des questions cruciales sur lesquelles il a menti à la communauté dite internationale. Il dit que Gbagbo n'a pas gagné. Même concernant le deuxième tour, il a menti encore. Il dit si on prend les voix de Bédier, puisque Bédier était dans la rébellion, il a soutenu la rébellion. J'ai même vu un commentaire, il y a un monsieur qui a dit hier, dans le direct d'hier, allez-y fouiller. Il y a un monsieur qui a dit, il était baoulé, il dit ça lui fait mal d'avoir voté pour Dramane Ouattara en 2010 à cause de Kona Bédier. Donc, il était baoulé. Comme Kona Bédé a dit voter, eux aussi ils disent qu'ils ont voté. Il dit ça lui fait mal. Donc Bédé a soutenu la rébellion. Mais voilà ce que Guillaume Soro disait. Il dit on prend les voix de Bédé, les voix de Dramane Ouattara du premier tour. Quand on les met ensemble, ça dépasse pour Gbagbo Laurent. Donc au deuxième tour, c'est Gbagbo qui a gagné. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est faux. C'est pas vrai. Donc qu'il vienne nous dire que ce que j'ai dit hier là. Que c'est Gbagbo qui a gagné là, c'est pas Gbagbo qui a gagné. Et c'est pas Dramane qui a gagné, c'est Gbagbo qui a gagné. Il ne pourra jamais le dire. Mais il sait que c'est la vérité. Même parmi ces cyberactivistes là, il y a plein qui le disent. Il y a même un qui est en Italie, qui a l'habitude de dire que si on met le cercueil de Gbagbo, il touche du bois, on met le cercueil de Gbagbo, et puis on met Dramane Ouattara vivant, le cercueil là, ça va gagner Gbagbo Laurent. Et il a toujours dit que c'est Gbagbo Laurent qui a gagné les élections. J'ai entendu. Comme on appelle Soula de Paris le dire un jour que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Voilà un parti politique, les jours paient. Je parle maintenant des cyberactivistes. Les jours paient, ils sont avec Gbagbo Laurent, ils donnent la raison à Gbagbo Laurent. Les jours impairs, ils insultent Gbagbo Laurent, ils disent que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bien fait. C'est quel parti politique ça? Vous n'êtes même pas sérieux. Vous n'avez pas encore laissé les vieux démons. Vous n'avez pas encore abandonné le côté sanguinaire que vous êtes. Vous voulez diriger un pays. Vous vous foutez de qui là? Vous pensez que les Ivoiriens boivent de l'eau dans leur narine? Ou bien vous allez encore aller faire rébellion pour les tuer? Mais le karma existe. Guillaume Soro, toi qui es ici et puis tu es comme ça, comme quelqu'un qui pense, et puis tu as écrit livre, pourquoi je suis devenu rebelle là? Mais le karma existe. Si le Dieu qui t'a créé, qui t'a donné le souffle de vie, qui a permis que ta maman tombe enceinte de toi, si ce n'est pas le même Dieu qui a créé Désiré Tagro, c'est là que toi, là, tu vas devenir président en Côte d'Ivoire. C'est là que toi, tu vas échapper au karma qui t'attend. Ce qui vient là, ça, c'est les prémices. Parce qu'en toute chose, il faut les préliminaires. Ce que tu vis là, c'est les préliminaires du karma qui t'attend. Et Dieu va permettre que tu ne vas pas mourir vite. Parce qu'il faut que tu payes pour ce que tu as fait à tout un pays et à tout un peuple. Il faut que tu payes. Le Dieu, je ne sais pas quelle religion que tu es, parce que souvent tu es djoula, souvent tu es chrétien, et souvent tu es musulman, pardon, souvent tu es chrétien. Ça, ce n'est pas mon problème. La foi, chacun a sa foi. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui nous crée, qui fait que c'est le spermatozoïde qui se transforme en être humain. Si ce n'est pas ce Dieu qui a créé Boga Doudou, qui t'a créé, si ton père n'est pas sorti à ta mère pour que ta mère tombe enceinte, la même partie qui a été possible pour tous les Ivoiriens qui sont morts, c'est là toi tu vas sortir de cette transition-là pour être quelqu'un en Côte d'Ivoire pour dire tu vas devenir président. Ou pour dire tu vas échapper au karma. Le karma te suit, frère. C'est pourquoi j'ai dit à ces cyberactivistes-là, ne rêvez pas. Vous cherchez place
C'est pourquoi vous êtes avec lui. Parce que lui, il a beaucoup, il a besoin de soutien. Donc, une petite, une femme comme. On m'a dit de ne même plus dire leur nom là même. Parce que je donne visibilité, je donne des noms aux gens. Donc, une femme qui est à Paris là-bas, celle qui est ici aux États-Unis, vous gueulez parce que vous voulez avoir un poste. Votre Guillaume Soro là, sa place, ça sera en prison. Il sera condamné à perpétuité. Je ne parle pas de ce que Drama Ouattara a donné. Hein. Ce que Drama Ouattara a donné, ça, c'est les prémices. Pour l'empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. S'il dit les garçons, il a les couilles. C'est pas lui qui disait que Victor Hugo a dit que en face d'une injustice, la révolte est de droit. Maintenant que tu n'es plus en Côte d'Ivoire, il faut lancer maintenant à tes frères Djoula la révolte. Ils vont faire révolte pour enlever Drama Ouattara. Puisque toi, tu dis que tu es Djoula. Tu dis que tu es du Nord. Tu dis que le boubou. Regardez ce qu'il disait hier. Je vais vous montrer une vidéo de quelques secondes. Écoutez avec moi. Au motif que M. Ouattara n'est pas ivoirien. C'est toute une communauté qui est stigmatisée. Absolument. Qui est... Oh. Voilà ce que tu disais. Mais tes vidéos, je les ai coupées par minute. C'est-à-dire, toi, tes vidéos-là, il y a fait une minute pour ne pas qu'on se perde. Comme ça, demain, quand on va se retrouver devant la justice-là, on va pas venir avec une vidéo de 50 minutes où on va chercher ce qu'il a dit. C'était à... Non. J'ai déjà tout découpé. Voilà une minute qui est là. Elle fait 1 minute 27 secondes. Exactement les paroles précises de ce que tu dois démontrer plus tard quand tu seras derrière les barreaux. Voilà ce que tu disais. Regardez ce qu'il disait. Ça, c'est 12 secondes. Écoutez encore. Entre temps, en Côte d'Ivoire, ce qui se passe est inadmissible. Mm-hmm. Au motif que M. Ouattara n'est pas ivoirien, c'est toute une communauté qui est stigmatisée. Mais c'est pas ce même Gbagbo Laurent, parce qu'il fait allusion à Gbagbo Laurent, que comme Ouattara n'est pas ivoirien, alors Gbagbo Laurent tue tous les enfants du Nord. Voilà le message qu'il fait passer. Là, il était au Burkina Faso. Voici l'émission. Il avait porté le boubou. Et il a même fait allusion au boubou. On va écouter ça tout à l'heure. Je ne suis pas pressé, c'est le Guillaume. Allez-y, pressé. Je peux faire vidéo pendant 5 ans sans reproduire les mêmes paroles ou bien les mêmes preuves que je montre sur Soro Guillaume pendant 5 ans, jour pour jour, sans me tromper. Parce que j'ai une pléthore de preuves contre lui. Et j'avais commencé, j'avais même arrêté. Je vais continuer. Il y a plein de vidéos que je n'ai pas encore découpées. Parce qu'il faut les découper minute par minute, minute par minute. Et quand mon site internet sera créé, je vais poster toutes ces bouts de vidéos là sur mon site internet. Comme ça, celui qui va sur hermanlepatriote.com, ça dit en regardant simplement les bouts de vidéos, tu vas connaître le côté sombre, monstrueux de Soro Guillaume. Je ne vais même pas parler. Tu vas regarder seulement les bouts de vidéos. Je vais mettre les dates. Je vais mettre les lieux. Je vais mettre le contexte historique de la Côte d'Ivoire. Alors, on était à quel moment? Pendant la rébellion, après la rébellion, tout ce qu'il a dit. Quand tu vas regarder même 50 bouts de vidéo, c'est-à-dire 50 minutes, tu vas dire, ouais, non, Herman a raison. Wallahi bilahi, mon gars, il est vraiment mauvais. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il a été mauvais avant la rébellion, il a été mauvais pendant la rébellion, mais il est toujours mauvais après la rébellion. Et puis, celui pour qui il a fait la rébellion, là, c'est cette même personne qui le traque. Mais il n'est pas prêt à vomir ce qui peut soulager le peuple de Côte d'Ivoire en répondant ne serait-ce qu'à ces 5 questions. Qui a gagné les élections? Qui a tué le peuple ouais? Qui a tué Désiré Tagro? Qui t'a empêché de porter Boubou? C'était où? C'était quand? Quel était le nom du policier? Ce qu'il vient de dire ici là, est-ce qu'il peut le prouver? Ça aussi c'est une question, hein? Parce que devant une cour de justice, c'est ce qu'ils vont lui demander. Puisque le voici, il avait déjà barbe, il était déjà vieux. Le voici qui est là, au Burkina Faso. Il faisait une émission. Voilà ce qu'il dit. Je reprends encore les 12 secondes. Entre temps, en Côte d'Ivoire, ce qui se passe est inadmissible. Au motif que M. Ouattara n'est pas ivoirien, c'est toute une communauté qui est stigmatisée. Absolument. Qui est ostracisée, qui est marginalisée. Toute la communauté du Nord, ce boubou que je porte, me l'était interdit en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il peut le prouver? Ce boubou que je porte me l'était interdit en Côte d'Ivoire. Est-ce que Guillaume Soro peut le prouver? Pourquoi tu ne dis pas aux Ivoiriens que je mentais? Comment on peut croire à quelqu'un qui demande pardon sans remettre en cause le mensonge qu'il a dit hier, qui a endeuillé mon pays par milliers? Des milliers de familles ont été endeuillées. Il y a des personnes en Côte d'Ivoire comme vous et moi qui sont orphelins, orphelines, par la faute de Guillaume Soro, par la faute de ses propos. Il y a des personnes qui ont des pieds coupés. Voilà ce qu'il dit. Il dit ce boubou et on reprend.
qui est marginalisé, toute la communauté du Nord, ce boubou que je porte, me l'était interdit en Côte d'Ivoire. Quand vous étiez en boubou, vous étiez Sénégalais, Burkinabé, Malien. Et pour le fait que vous étiez Sénégalais, Burkinabé... Mais tu dis, vous voyez le mensonge? Et lui aussi, le Burkinabé, il est là, parce qu'ils étaient avec lui. Il dit, le boubou que je portais me l'était interdit en Côte d'Ivoire. Quand vous étiez en boubou, vous étiez Burkinabé, Malien, Sénégalais. Parce qu'il voulait liguer tous les étrangers contre Gbagbo Laurent et ses partisans. Voilà son but. Parce que là, il s'est dédié. Tu dis que le boubou, il est interdit. Et puis en même temps, tu dis que quand les gens étaient en boubou, on les prenait pour des Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, etc., etc. Mais pourquoi on te prend pour Burkinabé, pour Malien, pour Guinéen? Il faut qu'on te voie dans le boubou. Donc ça veut dire que les gens portaient boubou. Mais dans la même phrase, il dit, ce boubou m'était interdit. Et puis à la suite, il dit, quand les gens nous voyaient, on nous assimilait au Burkinabé. Tellement, il était dans un mauvais jeu. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il s'est dédié. Si on t'empêche, quelque chose qu'on empêche, c'est que tu ne peux plus faire. Si on t'empêche de faire la chose, comment est-ce que tu arrives à faire la chose? Puisqu'on t'empêche déjà. Écoutez très bien encore. Pour que je porte... Mais l'était interdit en Côte d'Ivoire. Quand vous étiez en boubou, vous étiez Sénégalais, Burkinabé, Malien. Il est toujours au passé. Hein? Le boubou m'était interdit. Quand vous étiez dans un boubou, vous étiez Sénégalais, Malien, Burkinabé. Parce que les Guillaume Soro n'avaient pas beaucoup de partisans ivoiriens. Il fallait convaincre tous les Burkinabés, tous les Maliens, tous les Nigériens, les Haoussa que moi je défends. Là. Il fallait les convaincre. Et beaucoup ont pris les armes pour nous tuer. C'est ça, Guillaume Soro. Mais je prendrai tout mon temps pour parler de Guillaume Soro. Je prendrai tout mon temps pour parler de Guillaume Soro. On va poursuivre. Pour le fait que vous étiez Sénégalais, Burkinabé, Malien, on pouvait vous tuer dans la rue. Les clivages. Vous voyez? Vous pensez qu'en 2010, les Ivoiriens n'avaient pas de caméra, de téléphone avec caméra dedans? En 2010, les djoulas qui ont l'argent en Côte d'Ivoire, on voit des gens qui ont boubou et puis on les tue. Et puis il n'y a pas d'image de cela. Parce qu'aucun djoula ne peut me montrer une vidéo, ne serait-ce que de 2 secondes. Ou des Ivoiriens partisans de Gbagbo Laurent tuaient les djoulas qui étaient en boubou. Mais c'est ce qu'il vient de dire. Il dit qu'on te voit en boubou, en Côte d'Ivoire, on te tuait. Il vient de le dire tout à l'heure. Il va continuer. Les 1 minute ne sont pas encore finies. Voilà, on pouvait vous tuer dans la rue. Les gens étaient tués. On est même... Vous voyez? On pouvait vous tuer. Ce qui est une probabilité. Mais il vient maintenant d'affirmer la probabilité. Les gens ont tué des gens qui étaient en boubou. Il vient de le dire. Je vais recommencer la partie. Et pour le fait que vous étiez Sénégalais, Burkinabé, Malien, on pouvait vous tuer dans la rue. On pouvait vous tuer dans la rue. Les gens étaient tués. Vous voyez? On pouvait vous tuer dans la vie, dans la rue. Les gens étaient tués. Donc ça veut dire que c'est un fait. Les gens tuaient des gens. Mais c'est pas vrai, Guillaume Soro. Quand tu dis que tu demandes pardon, tu viens devant les Ivoiriens, tu dis j'avais dit telle chose. Ce n'est pas vrai. Vraiment, à cause de mes propos, on a loupé une guerre civile. Et il y a eu plus de 45 000 morts. Je vous demande pardon. Quand je disais qu'on nous empêchait de porter poubou, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas dit ça. Pardon, vous n'avez pas fait ça. Quand je disais que Gbagbo Laurent n'aimait pas les hommes du Nord, ce n'est pas vrai. J'avais besoin d'arguments pour avoir beaucoup de personnes dans ma rébellion. Parce que les Ivoiriens n'étaient pas avec moi. Il fallait convaincre l'opinion étrangère, la communauté étrangère pour rentrer dans ma rébellion. Je vous ai menti. C'est comme ça qu'on fait. Mais Guillaume Soro, jusqu'à présent, je vous ai montré une émission de sa soi-disant Bamba quelque chose là. Elle dit on a combattu le bon combat mais pour la mauvaise personne. Donc ça veut dire toutes les atrocités qu'ils ont eu à faire là. Ils ne le regrettent pas. Ils ne sont pas prêts pour le regretter. Ne serait-ce que avouer. C'est ce qu'on appelle l'aveu. Puisque hier, on est parti de la Bible. Les gens me parlaient de Bible. On est parti de la Bible.
Celui qui reconnaît, qui avoue, qui délaisse ses péchés, reçoit la miséricorde de Dieu. Mais il faut avouer quand même. On ne demande pas pardon dans le vide. On avoue ce qu'on a fait. J'ai bloqué quelques deux, trois personnes. C'est dommage, mais vous n'allez plus jamais avoir accès à moi. C'est quand même dommage parce que en moins de trois mois, j'ai 100 000 abonnés. Donc, vous n'allez plus avoir accès à cette fabuleuse page. C'est quand même dommage, mais bon, je suis obligé de vous bloquer. Je vais fouiller encore. J'ai vu quelques commentaires là. Voilà, je vais bloquer encore lui là. Et ils ont des noms, les noms ivoiriens. Ils ont des noms ivoiriens. Voilà. Les connards. C'est eux qui viennent bavarder, mais c'est pas grave. Pour bloquer, ça prend quelques secondes. Donc vous entendez ce qu'il dit, c'est des énormités. Hein? On reprend encore. Et pour le fait que vous étiez sénégalais, burkinabé, malien, on pouvait vous tuer dans la rue. Est-ce que ce qu'il vient de dire là, que vous comprenez français même? Ce qu'il vient de dire là. Il veut dire, salut, un Sénégalais qui vit en Côte d'Ivoire, les babos l'aura le tué. Puisque les Sénégalais portent des boubous. Un Burkinabé qui vivait en Côte d'Ivoire, Babo l'aura le tué. Puisque les Burkinabés portent des boubous. Donc il ne parle pas seulement pour ses frères de faire que c'est Doukou. Il ne parle pas seulement pour ses frères ivoiriens. Il parle aussi pour la communauté étrangère. Et il cite les noms des pays. Écoutez très bien ce qu'il dit. Et pour le fait que vous étiez sénégalais, burkinabé, malien, on pouvait vous tuer dans la rue. Les clivages. Voilà, on pouvait vous tuer dans la rue. Des gens étaient tués. On est même allé jusqu'à pourchasser des musulmans dans les mosquées. Vous avez vu des gens en Côte d'Ivoire qui sont rentrés dans la mosquée pour pourchasser. C'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 50 ans. Ça fait seulement 13 ans. En 2010, où ça fait seulement 20 ans, les gens avaient encore des caméras. Le RD avait l'argent. Vous n'avez pas filmé ça? Est-ce que toi, à la barre d'un tribunal criminel, tu peux démontrer ce que tu dis là? Tu dis que les gens rentrent dans les mosquées pour pourchasser les djoulas, pour les tuer. Pour pourchasser les gens qui sont en boubou, les Sénégalais, les Maliens, les Guinéens, pour les tuer. Tu peux démontrer ça? Parce que nous, on peut démontrer que ton monstre que tu as mis au pouvoir là, il a cassé les mosquées. Nous, moi, je peux le démontrer. Puisque les images sont là. On voit des femmes d'Oula qui pleurent. Les imams qui sont mis en prison. Donc, nous, on a les preuves de ce que nous on dit. Mais est-ce que tu peux démontrer ça? Où les gens rentrent dans les mosquées. Mais nous, au moins, on rentrait dans les mosquées. On ne cassait pas les mosquées. On rentrait, mais on ne cassait pas. Oh, on n'est jamais rentré dans les mosquées. Et tu vas nous le démontrer un jour. Les 1 minute ne sont pas encore finies. Vous voyez, là, on est à 25 secondes. Vous voyez, en 25 secondes, il a filmé beaucoup d'énormités. En 25 secondes. Tout ce qu'on écoute et puis je ramène, je reviens là. C'est 25 secondes pour le moment. On n'a pas encore terminé les 1 minute 17 secondes que j'ai coupé dans cette émission. Il ne fait qu'à filmer des énormités. Et quand tu le regardes, il cherche des idées. C'est pourquoi il se dédie. Il dit, likez le commentaire que j'ai épinglé là. Il y a seulement 4 likes et dans les 4 likes, il y a 2 personnes qui ont mis tête de mort. Donc, ça peut donner un mauvais signal à Facebook comme quoi je fais une mauvaise vidéo. Donc, likez, augmentez les likes du commentaire épinglé. Vous étiez 800, là, vous êtes 747. Et c'est parce que même je suis fort. Sinon, à cette heure-là, où il est tard aux États-Unis, il y a 747 personnes en ligne. Je suis fort. Partagez. Non, likez parce que je vois 2 têtes de mort et puis un cœur et puis un like. Ça fait 4. C'est pas bon. Ça veut dire, si c'est comme ça, YouTube va penser, Facebook va penser que l'émission n'est pas bonne. Voilà, on est à 10 likes. Augmentez, vous êtes 771, 73 maintenant. Augmentez les likes sur le truc pour démontrer aux ennemis qui vont regarder la vidéo plus tard que ce que j'ai dit, il y a des personnes qui me soutiennent. Celles qui me soutiennent, mettez votre like, on va avancer. Pareil, YouTube, mes 2 chaînes YouTube. Mettez les trucs, les pouces bleus. Même vous qui allez regarder la rediffusion, si vous êtes d'accord avec ma petite démonstration, mettez les pouces bleus. J'ai dit, le chapitre, il est ouvert. Le chapitre, on est dans les... Hier, il a dit un épisode parce que je suis fatigué. Mon esprit est fatigué, au fait. C'est parce que je suis fort que je sers l'Afrique et j'essaie de servir un peu la Côte d'Ivoire. Sinon, j'ai beaucoup de choses dans la tête. Dans ma vie privée, les études, beaucoup de choses dans ma tête. Donc, souvent, je peux dire quelque chose, mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas m'exprimer. Non, 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 non.
Souvent, je dis des choses que je ne pense même pas. Je pense ailleurs et puis je dis donc, hier, j'ai dit un épisode. On dit, j'ai dit ça deux fois ou trois fois. J'ai risqué à fatiguer. Voilà, on dit un épisode. Voilà. Donc, l'épisode est déjà ouvert. On a déjà ouvert la séance. Elle est déjà ouverte. Donc, c'est parti. Les gens m'ont provoqué. Donc, c'est fini. Je suis obligé. Je vais terminer les une semaine. Aujourd'hui, ça fait 2/7. On est dessus. Demain encore, je viens avec quelque chose. Après demain encore, jusqu'en dimanche. Et puis, je vais réfléchir maintenant pour voir. Si quelqu'un me provoque, ne serait-ce qu'un petit commentaire qui va me provoquer, je lance encore l'épisode 2. D'accord. Merci, je vois quelques likes sur le commentaire, mais vous êtes nombreux. Donc, vous likez le commentaire. Ah! Il n'y a pas étoile. Il n'y a pas partage. Likez le commentaire. Comme ça, les ennemis qui vont venir vont dire, ah, au moins, il est soutenu. Ils vont dire, ah, au moins, on le soutient. Je compte sur vous pour liker le commentaire, même ceux qui vont regarder après. Et YouTube, je compte sur vous pour mettre le pouce bleu. On va avancer. Parce que les 1 minute, on n'a pas encore terminé. Tout ce qu'on écoute là, cette vidéo de 1 minute, hein, regardez tout ce qu'il affirme. Je vais revenir encore 5 secondes en arrière. On va réécouter la partie. Écoutez très bien. Pour que je porte, qui est marginalisé, toute la communauté du Nord, ce boubou que je porte. Mais faut parler là-bas. Entre-temps, en Côte d'Ivoire, oh non, ça a recommencé. C'est possible, au motif que M. Ouattara n'est pas ivoirien. C'est toute une communauté qui est stigmatisée, absolument, qui est ostracisée, qui est marginalisée. Toute la communauté du Nord, ce boubou que je porte, me l'était interdit en Côte d'Ivoire. Quand vous étiez en boubou, vous étiez sénégalais, burkinabé, malien. Et pour le fait que vous étiez sénégalais, burkinabé, malien, on pouvait vous tuer dans la rue. Les clivages. Mais pourquoi? Et puis il dit les clivages. Regardez le vieux burkinabé, il dit les clivages. Pourquoi ne pas tuer Babo Laurent? Parce qu'il y a Gbagbo Laurent a porté boubou. Hein. Koudou Laurent Gbagbo, il a porté boubou dans Côte d'Ivoire, là, sous son règne. Il a porté boubou, il n'est pas mort. Ahmed Bakayoko portait boubou, il n'est pas mort. Il était dans le gouvernement de Gbagbo Laurent. Big Togo, qui est aujourd'hui président, qui a pris ta place, qui t'a chassé sur le tabouret et qui a pris ta place là, il portait boubou. Gbagbo ne l'a pas tué, mais il était ministre sous Gbagbo Laurent à cause de votre rébellion. Babo n'a pas tué tout cela. Toi-même, tu portais boubou, Babo ne t'a pas tué. Maintenant que tu as fait le bon combat de boubou, on ne te voit plus en boubou. Tout le temps, tu es en costume. Tout le temps, tu es en costume. Tu as un chapeau, tu mets les trucs ici, tu te promènes en France. Il faut porter boubou. C'est maintenant qu'il faut acheter, parce que la rébellion t'a rendu riche. Donc, il faut acheter tous les bazins du monde et porte le boubou. On continue. Voilà, on pouvait vous tuer dans la rue. Les gens étaient tués. On est même allé jusqu'à pourchasser des musulmans dans les mosquées. Ce sont des faits avérés en Côte d'Ivoire. Voilà, ce sont des faits avérés. Ça veut dire, il peut prouver ce qu'il dit. Ce sont des faits avérés. Alors c'est le moment, il dit, quand tu parles un peu, on dit, oh, Soro a demandé pardon. Il a demandé pardon, non? Mais nous on dit qu'il vient nous dire ce qu'il affirme ici là. Est-ce qu'il mentait ou bien c'était vrai? Pourquoi on comprenne son pardon? Il demande pardon pour quoi? On demande pardon pour quelque chose. On ne demande pas pardon dans le vide. On demande pardon pour quelque chose. Lui, il demande pardon pour quoi? Il demande pardon pourquoi? C'est ça le vrai problème. Pourquoi il demande pardon? Voilà le problème. On va bloquer. Voilà. Herman Kouakou. Je vais bloquer Herman Kouakou. Il est vilain. Hein? C'est un autre type, mais t'as vu, c'est un petit djoula. Il est sale, vilain. Je suis désolé de le dire, mais son visage là, on dirait, c'est un petit djoula. Mais qu'est-ce qu'ils font? T'as vu, c'est un pro Soro. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent, ils mettent les noms. Vous voyez, né? Peut-être même qu'il a changé le nom pour venir faire le direct, pour venir commenter dans le direct. Ils changent leur nom, ils mettent les noms des gens, les Quadio, les pour venir fatiguer les gens. Mais tu regardes son image, même, il ressemble même pas à un baoulé. C'est comme ça, ils sont.
Moi, ma langue n'est pas dans ma poche. Et puis, on m'en fout de quelqu'un. Ce n'est pas papa de quelqu'un qui me nourrit. C'est de ça qu'il s'agit. Le jour où il descend en Côte d'Ivoire, vous tous, on va régler. Toutes les personnes qui m'ont menacé de mort. Vous... Si tu peux m'insulter, hein, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui m'ont menacé de mort, vous avez un problème avec moi. Parce que je vais m'arranger pour rentrer en Côte d'Ivoire avec au moins 100 millions de francs CFA. Je vais m'arranger pour rentrer en Côte d'Ivoire avec 100 millions, minimum 100 millions de francs CFA. J'espère que vous aurez l'argent pour engager des avocats. Parce que ça va chauffer au plateau. Ah, d'accord. On va poursuivre avec Guillaume Soro. Aller jusqu'à pourchasser des musulmans dans les mosquées. Et vous voyez, tout ça pour créer une guerre religieuse qui est l'une des plus des dangereuses guerres dans le monde. La guerre religieuse est très dangereuse. C'est ce qu'il visait ici. C'est-à-dire, tellement il était méchant, il était prêt à affirmer tout. Il affirmait tout ce qu'il pouvait affirmer. Parce qu'il voulait coûte que les Ivoiriens meurent. Il voulait coûte que Dramane prenne le pouvoir. Donc il dit que, parce qu'il sait que Gbagbo Laurent est un chrétien. Et que la plupart des partisans de Gbagbo Laurent sont du sud. Or la Côte d'Ivoire, dans tous les pays c'est comme ça. Il y a toujours un coin où il y a beaucoup de religions que l'autre religion. Donc au sud, on est beaucoup chrétiens par rapport au nord qui sont beaucoup musulmans. Puisque les blancs sont venus tracer les frontières et puis on n'avait pas les mêmes cultures. C'est ce que Gbagbo Laurent a dit à la CPI. Il dit, madame la présidente, vous-même prenez le cas de la Côte d'Ivoire. Quand vous prenez le nord, les gens se retrouvent autour des mosquées et d'autres se retrouvent autour des bois sacrés. Quand vous prenez le sud, eux, ils adorent des eaux. Quand vous prenez l'autre côté, ils sont dans les bois sacrés. Donc, quel est l'instrument qu'on va utiliser dans nos états pour faire tabula rasa de toutes ces pratiques religieuses-là pour qu'un Ivoirien ait une voix? C'est pour ça qu'on s'est battu. On ne croyait pas que le mur de Berlin allait tomber. Mais on s'est battu et quand même le mur de Berlin est tombé et le multipartisme est né en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro voulait casser tout cet espoir-là. Donc il était en train de gammer, comme on le dit en Côte d'Ivoire, liguer la confession musulmane contre la confession chrétienne. Imaginez-vous, des chrétiens contre les musulmans en guerre en Côte d'Ivoire. Mais qui va gagner? Qui va gagner? Est-ce que vous savez il y a combien de chrétiens en Côte d'Ivoire? Laissons même catholiques qui sont djamanans. Catholiques même, on ne parle même pas même. Eux-mêmes, ils peuvent prendre même les un quart de la population de Côte d'Ivoire. Catholiques seulement. Mais prenons maintenant évangéliques, nous qui crions dans les églises là. Nous qui louons Dieu là. On est combien? On ne peut même pas compter les églises en Côte d'Ivoire. Tellement elles sont nombreuses. Maintenant, prends maintenant aussi les religions musulmanes. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. Nombreux en Côte d'Ivoire. Donc si par exemple on a 20 millions d'habitants, mais je vous assure qu'on risque d'être 10 millions. Les athées, les gens qui ne croient pas en Dieu, ils sont très nombreux. Ou les Illuminati, peut-être c'est 3000 personnes ou bien 250 personnes qui sont dans Illuminati. Et puis sinon la plupart, on souffre tellement en Afrique que chacun se cherche dans une religion pour que Dieu ait pitié de lui. Donc imaginez-vous qu'une guerre éclate. Regardez ce qui se passe. Je vois souvent des images où les je ne sais pas c'est dans quel pays, mais j'ai même vu ça ce matin. Ce matin, j'ai vu sur Facebook, guerre religieuse dans un pays africain, j'oublie un peu, aidez-moi. Il y a un pays africain qui subit ça actuellement. Guerre religieuse entre musulmans et puis chrétiens. Si ça se déroule en Côte d'Ivoire, mais on est là à voir des millions de morts. Et c'est ce que Blaise Boudet disait. Il dit, évitons la rwandisation de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce que Guillaume Soro visait. Il voulait que la Côte d'Ivoire devienne Rwanda bis. Parce qu'il était protégé par les rebelles. Il ne pensait même pas à ses frères Djoula. Il y a des millions de musulmans en Côte d'Ivoire. Et il y a des millions de chrétiens en Côte d'Ivoire. C'est des discours qu'on ne peut pas laisser passer comme ça. C'est le Soudan. Merci beaucoup. C'est le Soudan. J'ai même pensé à ça, mais il n'était pas sûr. C'est le Soudan. Tapez Soudan, guerre religieuse. Vous n'allez pas croire. Les gens sont en train de se bamougou parce que c'est une guerre qui ne finit pas. Voilà deux guerres dont il faut avoir peur. Et c'est les deux guerres que Guillaume Soro a voulu stimuler. Mais les Ivoiriens étaient beaucoup plus intelligents. Même les Nordistes, il y a beaucoup qui se sont réservés. Beaucoup ont pris les armes, hein, mais les gens, ils sont pas partis dans le sens où Guillaume Soro voulait que ça aille. Les musulmans de Côte d'Ivoire sont beaucoup intelligents. Hein. Est-ce que vous avez vu des imams venir dire aller prêcher dans les mosquées? Ils ont caché les armes dans les mosquées. Ça, on ne peut pas en disconvenir. Je ne peux même pas dire que c'est faux parce que je vais me mentir à moi-même.
Les gens ont caché les âmes dans les mosquées. Mais ils n'ont pas prêché audiblement ou bien appelé les gens pour dire tous les musulmans faisons la guerre contre les chrétiens. Attends, c'est ce que Guillaume Soro visait. C'est pourquoi j'ai dit c'est un monstre. Il est pire que Dramane Ouattara. Parce que les propos qu'il tient là, même Dramane n'a pas tenu. Il a fait semblant de tenir cela. Mais il n'a pas tenu ça littéralement comme ça. Il a voilé un peu. Il dit s'ils font tout, on va tout Nyagami. Quand on dit on là, il ne précise pas. Il n'a pas dit musulman, on va tout Nyagami. C'est pas ce que Dramane a dit. Dramane, l'homme de Sindou, il n'a pas dit que nous les musulmans venons, on va Nyagami. Il a dit on va Nyagami. On n'attendra pas 5 ans pour aller aux élections. Il voilait certaines choses. Même Dramane, il savait voiler certaines choses. Mais Guillaume Soro, voilà lui sur le plateau. Qui avoue les choses, mais pas le nom. Il avoue les choses par le nom. Donnez-moi un instant. Il avoue les choses par le nom. Il dit les gens rentraient dans les mosquées pour chasser les musulmans. Donc il dit les choses par leur nom. On a écouté, on va réécouter encore. Écoutez encore la partie là. Écoutez encore la partie. Jusqu'à... Et pour le fait que vous étiez sénégalais, burkinabé, malien, on pouvait vous... Sénégalais, burkinabé, malien, c'est des musulmans. Parce qu'il sait où il veut en venir. Il dit c'est un vénin, un démon. Donc, il parle de Boubou. Il parle des Sénégalais musulmans, Sénégalais, Maliens, Burkinabés, qui sont en majorité musulmans. Et voilà ce qu'il dit maintenant. Tuer dans la rue. Les clivages. Voilà, on pouvait vous tuer dans la rue. Les gens étaient tués. On est même allé jusqu'à pour chasser des musulmans dans les mosquées. Vous voyez ce qu'il dit? Quel est l'homme politique qui a affirmé ce genre de propos, à part ce rebelle-là? S'il vous plaît, dites-moi un seul nom, je vais savoir. Prenez tous les chefs rebelles. N'oubliez pas Sable Blé. N'oubliez pas Ahmed Bakayoko. N'oubliez pas tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Même les rebelles comme lui. Quel est l'homme politique qui a surfé sur la religion comme Soro Guillaume vient de le faire, littéralement? Il n'y en a pas. Gbagbo Nora n'a jamais parlé de religion en politique. Même les Ahmed Bakayoko, les Sable Blé, il est le seul qui parle comme ça. Le seul homme politique qui a parlé comme ça. Parce qu'il voulait créer une guerre religieuse. Il voulait que la Côte d'Ivoire s'embrase. À cause du pouvoir. Tellement il était assoiffé de pouvoir. Je pense que son frère, Doumbia Major, si vous écoutez Doumbia Major, c'est pas le même Doumbia qu'il a convoqué à Paris. Il y a un autre docteur, il dit le docteur Doumbia Major, qui souvent il est versatile. Mais un jour il a parlé de Soro Guillaume. Il a détaillé. C'est un monsieur qui est non seulement imbu de sa personne depuis à la fessie. C'est pourquoi ils ont envoyé les machettes à la fessie. C'est pourquoi Konda Bédé l'avait fait arrêter avant. Parce que c'est un monsieur qui est mauvais il y a longtemps. C'est pas seulement dans la rébellion. Il cherchait juste un instrument où il allait amplifier son mauvais cœur de diable. Et c'était la rébellion de Ibé. C'est comme ça qu'il a demandé pardon à Ibé. C'est la troisième fois que Ibé a accepté. Première fois, il est venu. Ibé dit, on dit non, il y a un gars qui veut te voir Soro Guillaume. Il dit, oh, il a viré Soro Guillaume. Deuxième fois. Et la troisième fois, deuxième fois qu'il a tapé poteau, il est parti en France pour vouloir faire les études. Ce Guillaume Soro là. Parce qu'il était en anglais. Il apprenait anglais. Il voulait devenir, je ne sais pas si c'est professeur d'anglais, mais en tout cas, c'est la faculté qu'il a choisie. Et donc, il est parti en France pour poursuivre ses études. Là-bas, ils ont rejeté son dossier parce qu'il avait un mauvais casier judiciaire. Donc, il a tapé poteau en France. C'est comme ça qu'il revient encore vers les fins 2001. Fin 2001. Il revient en Côte d'Ivoire et il cherche coûte que coûte à rentrer en contact avec Ibrahim Koulibaly. Avec Ibé. C'est comme ça qu'Ibé dit, bon, c'est bon. Lui, là, tant que je ne le reçois pas, il ne va pas arrêter de m'emmerder. Faites-le appel. C'est comme ça qu'on appelle Guillaume Soro et Guillaume Soro va voir Ibé. Et il dit à Ibé, j'aime ton combat, vraiment, j'aime ton combat, tout et tout et tout. Ibé dit, ok. Comme moi, je suis toujours sur le terrain et le journaliste me fatigue. Donc toi, il faut venir, tu vas t'occuper des médias. Ja, Ibé même venait de faire entrer le démon en enfer. Un démon plus démon que les démons de l'enfer. Si Ibé savait, il n'allait jamais accepter Guillaume Soro. C'est pourquoi j'ai dit aux Ivoiriens, vous avez vu, est-ce que vous savez comment Dieu va juger les gens, vous qui parlez de religion, toujours là, chrétien, là.
Si tu as vu le miracle de Dieu, les choses divines que tu ne peux même pas toi-même expliquer, et puis tu ne crois pas en Dieu, le jour où tu meurs, Dieu n'aura pas pitié de toi. Parce que tu as vu, tu as déjà vu le vent. Aucun scientifique ne t'a démontré comment le vent s'oriente. Parce que personne ne peut démontrer la direction du vent. C'est un miracle dans lequel nous vivons. De la manière que la voiture a besoin du carburant, c'est comme ça, toi, tu as besoin de l'air. L'air, tu ne le vois pas, mais tu le respires. Tu es conscient que tu respires l'air, mais tu ne peux pas le démontrer. Mais tu respires l'air. Là où tu me regardes, tu respires. Si tu ne respirais pas, tu étais mort. C'est parce que tu respires que tu me regardes. C'est parce que tu arrives à... Tu respires que toutes tes facultés sont là. Tu peux entendre, tu peux voir. Dès que le souffle de vie sort, que tu ne respires plus, c'est fini. On dit son cœur s'est arrêté. Il va t'enterrer dans les jours qui viennent. C'est un miracle encore. Donc la Bible dit, Jésus disait à ses partisans, à ses choses, il dit, les miracles que vous voyez là, ce n'est pas fortuit. C'est pour que vous puissiez croire qu'il y a un être suprême qui existe. Dieu existe. Donc ce n'est pas parce que seulement tu t'es masturbé que tu vas aller en enfer. C'est parce que tu as été incrédule. Vous voyez quelqu'un qui parle comme ça. Et un, c'est parce que c'est faux. Mais de deux, même si c'était vrai, c'est des propos qu'on ne tient pas. Parce que ça peut embraser le pays, mais c'est faux. Quelqu'un qui parle comme ça. Vous continuez de croire en lui, comme quoi il a changé, comme quoi il va vous servir. Quand il va vous découper, nous on sera ici aux États-Unis, loin de vous, et puis on va vous regarder souffrir. Parce que quand on vous parle là, vous pensez que vous êtes plus chrétien que quelqu'un, mais vous êtes plus croyant que quelqu'un. Vous avez vu ce qu'il a fait. Vous avez vu comment il a parlé, comment ces hommes ont traqué les Ivoiriens. Ils ont coupé les bras, égorgé les gens. Il y a des vidéos où on égorge un gendarme. Mais c'est les NPCI qui ont fait ça. Les hommes de Soro Guillaume, tout le monde le sait. Même Draman le sait. Les 60 gendarmes, les élèves gendarmes qui ont été égorgés. C'est les hommes de Soro Guillaume qui ont fait ça. Tout le monde le sait. Ibé, c'est Soro Guillaume qui a convaincu Draman Matra pour donner l'ordre. Et Draman a dit, arrêtez-le par la force. Il n'a pas dit tuez-le. Et quand Ibé était à portée de tir, c'est pas moi qui l'ai dit. Demain, il va vous montrer la vidéo qui parle de ça. Ou d'autres... C'est pas lui qui dit qu'on empêchait les djoulas de porter boubou. Il y a d'autres djoulas qui rendent des témoignages, qui parlent de ça. Le monsieur s'appelle Doumbouya. Doumbouya, je crois bien. Il est en France. Il est le représentant de toutes les... Il est le chef de toutes les victimes du Nord. Donc, il fait le combat pour que les victimes du Nord de Soro Guillaume soient... je vais dire... voilà. Il est à Paris. Il est en France. Demain, il va vous faire écouter la partie là. Chers camarades, faites attention. Parce que vous risquez de le regretter. Soro Guillaume est un démon. Soro Guillaume que vous voyez ici, lui qui parle ici, là. On n'a pas encore fini la une minute. Vous voyez, la une minute, on ne peut pas la finir, on est à 44e seconde. Il faut qu'on finisse la une minute. Il faut la finir, je vais ramener encore. Aller jusqu'à pourchasser des musulmans dans les mosquées. Ce sont des faits avérés en Côte d'Ivoire. Moi-même, leader du mouvement étudiant, je suis arrêté sur le pont. On me demande ma pièce d'identité que je n'ai pas. Écoutez. Je leur présente tout de même un passeport. À lire mon nom Soro, on dit que je suis un étranger. Vous voyez ce qu'il vient de dire? Est-ce que vous pensez qu'un policier peut arrêter autant de babos? Babos qui avaient un cœur gentil jusqu'à... qui n'était pas comme ce qu'on voit aujourd'hui là. Un policier peut arrêter quelqu'un. Entre le passeport et la pièce d'identité, qu'est-ce qui est plus élevé? C'est le passeport. La CNI là, qui est à ce temps c'était verte comme ça façon là. Autant de oufoué, mais c'est pas autant de bédier. Et puis le passeport, qu'est-ce qui est dur à avoir? Mais c'est le passeport qui est dur, c'est ça qui prend le temps. Toi, tu montres ton passeport à Ivoirien. Quelqu'un regarde Ivoire Soro. Et puis le policier va te dire tu es étranger. Un policier qui va dire à un citoyen ivoirien, comme tu t'appelles Soro, tu es étranger. Il était obligé de créer toutes sortes de scénarios. Parce qu'il faut que... il arrive à convaincre les gens pour qu'on tue les Ivoiriens. Il fallait coûte que coûte que la Côte d'Ivoire s'embrase. Donc, il racontait tout, il inventait tout. Si Soro Guillaume dit il est sincère, qu'il vienne nous dire
Est-ce que ce qu'il vient de dire là, c'est vrai ou c'est faux? Parce qu'on peut demander pardon. Regardez-moi, par exemple, je peux demander pardon à la place de Sorobium. Chers Ivoiriens, je vous demande pardon. Mais avant, j'aimerais réellement vous expliquer certaines choses. Un jour, vous m'avez entendu dire qu'on m'arrêtait sur un pont et on m'aurait traité d'étranger. C'était vraiment vrai. Un policier m'avait traité comme ça. Ça, c'est dans le premier cas. Si c'était vrai et qu'on veut vraiment demander pardon, on revient sur les faits et puis on demande pardon. C'est-à-dire, on dit aux gens pourquoi on demande pardon. Donc, si Sorogon pense que ce qu'il a dit, c'est vrai, qu'ils veulent au moins le confirmer. C'est pourquoi il y a le mot confirmer. Quand on écoute le Toumba Diakité, on repose les mêmes questions. Et voilà comment les gens posent les questions. Toumba Diakité, est-ce que tu confirmes que Dadis a dit, ils vont le regretter, il faut les mater. Et puis Toumba dit, oui, je confirme. Donc il faut que Sorogon vienne confirmer ou infirmer ou peut-être affirmer ce qu'il a dit hier. Mais il n'a jamais confirmé. Il n'a jamais affirmé. Il n'a jamais infirmé. Mais il demande pardon. Bon, il demande pardon par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il y a, ce qui, tout ce qu'il raconte ici, là, des énormités qu'il raconte ici, ou bien par rapport à ce que ils ont empêché Drama Ouattara d'être candidat, ou bien par rapport à ce que ces hommes ont tué les gens. Bon, le pardon, il est situé où? Parce que Sorogium, c'est un dossier très lourd. Si le procès de Sorogium s'ouvre à la CPI, les gens ne vont pas prendre seulement 7 ans. Les gens risquent de prendre 17 ans pour le juger. Parce qu'il est impliqué dans beaucoup de choses. Il est impliqué dans beaucoup de choses. C'est Guillaume Soro. Il va terminer. À lire mon nom Soro, on dit que je suis un étranger. Et on me stoppe sur le pont. Vous voyez, il titube parce qu'il cherche les mots. Et on me stoppe. Vous voyez, parce que c'est pas vrai. Quand quelque chose est vrai, ça sort comme ça. Même quand tu regardes l'expression de son visage, il n'a pas envie de monter pour ne pas qu'on me signale sur YouTube. Mais quand tu regardes l'expression de son visage, tu sens qu'il ment, il cherche les mots. Ses regards sont perdus. Parce qu'il était en direct à la télévision burkinabé. Et c'était en direct, c'est pas préenregistré. Donc il faut parler là, il faut parler, on ne peut pas couper après. Les gens regardent. On continue. À lire mon nom Soro, on dit que je suis un étranger. Et on me stoppe sur le pont pendant des heures et des heures. Imaginez le sort de tous ces citoyens lambda à l'époque. Donc, au nom de cette ivoirité, au nom du délit de faciès et de patronyme, on a fait du tort à toute une communauté qui s'est sentie exclue du jeu politique national. Dès lors, la révolte ne pouvait qu'être évidente. Merci. Voilà ce qu'il dit. Donc, voilà comment lui démontre sa rébellion. Cette démonstration qu'il vient de donner, vous le savez très bien, que ce n'est que des mensonges. Mais non seulement c'est des mensonges, mais des énormités. Ça dit, c'est grave. Affirmer ce genre de propos dans un pays laïque, c'est pas comme par exemple le Niger où presque tout le monde est musulman. Mais un pays laïque comme la Côte d'Ivoire, affirmer ce genre de propos, des propos religieux pour mettre les religieux entre eux, créer une guerre religieuse, l'une des guerres les plus dangereuses. C'est grave ce qu'il a dit. C'est grave ce qu'il a dit. Donc, chers Ivoiriens, faites très attention. Faites très attention. Mais ce que je dis, c'est que nous, on peut parler, hein, mais il y a ce que Dieu qui est en haut là, il y a ce qu'il décide. Ou pour ceux qui ne croient pas peut-être en Dieu, il y a ce que le karma décide. Parce que tout se paye. Hein. Dans cette vie-là, tout se paye. Je ne dirais pas tout se paye sur terre, mais quand même tout se paye. Si tu n'as pas payé ici, tu vas payer au ciel, mais tout se paye. Et je suis convaincu, un jour, ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans même si vous voulez, mais un jour, vous allez un jour venir quelque part comme ça, soit sur mes réseaux sociaux, soit sur Facebook, pour dire, Herman, tu avais raison. Vous allez venir me dire, Herman, tu avais raison.
Il a eu à dire à Paris que lui va mourir avec certains secrets. Il ne va jamais dire au peuple de Côte d'Ivoire ce qui s'est passé. Il va mourir avec ça. Sorogom est prêt à mourir avec tout ce qu'il sait que de libérer le peuple de Côte d'Ivoire pour qu'on sache toute... On connaît la vérité, mais on ne connaît pas toute la vérité dans les détails. Seul, lui seul, connaît cette vérité-là en tant qu'un Ivoirien. Pendant que la guerre se déroulait à Boaké, les gens tuaient les gens. Les gens n'avaient pas encore pris Abidjan. Mais Yodé et Sirou ont chanté, les gens ont chanté. Boaké à Korogo, si tu es vraiment Ivoirien, si tu aimes vraiment ton pays, dépose les armes et libère ton pays. Oh. Joël, c'est au libérer mon pays. Oh. Guillaume Soro était à Boaké, avec des armes. Ils n'ont pas déposé les armes. Midi, les Ivoiriens. Ce monsieur était dangereux. Il est plus dangereux que Dramane Ouattara. Il est plus dangereux que Alassane Dramane Ouattara. Parce que Soro Guillaume, et je termine avec ça, puisque ça fait déjà une heure. Attends, j'arrive pas à voir. Ouh, on ne peut même pas voir ici. Voilà, 1h15 que je suis là. Donc je vais quand même Je vais finir là. Soro Guillaume procède par élimination. Soro Guillaume, lui, il élimine. C'est-à-dire, il tue pour ne plus avoir affaire à toi. C'est comme ça, lui, il fonctionne. Quand tu le déranges, il te tue. Dès qu'il est rentré dans la rébellion, il a tué Casse, ou bien quoi là. C'est-à-dire, tous les chefs rebelles qui obéissaient beaucoup plus à Ibé, qui était sa rivale, dans la rébellion, hein, lui, il a créé rivalité. Ibé a fait venir Soro Guillaume. Il a fait venir Sorogom auprès de lui pour parler aux journalistes. Lui, pouf, il veut prendre sa place. Il a proposé à Ibe de casser les banques. Ibe dit non, on n'est pas venu pour casser les banques. On veut mettre Dramane au pouvoir. On n'est pas venu pour dépouiller le peuple. Lui, il n'aime pas ça. Il doit devenir riche très vite. Alors, il a créé quelque chose là encore. Il a divisé la rébellion. Ils ont tué d'autres rebelles pour manger leur cœur. Demain, ça sera la vidéo sur laquelle je vais m'empesantir. Ce qui s'est passé entre eux, les rebelles. C'est-à-dire, même en enfer, Guillaume Soro fait peur. En enfer, il élimine et puis il s'en va, il évolue. C'est quelqu'un qui aime éliminer. C'est lui qui a éliminé Désiré Tagro. Parce qu'eux, ils ont les informations sur eux. Désiré Tagro, c'est un homme qui a fait école de guerre. Désiré Tagro, s'il était vivant, peut-être que quelque chose allait se passer. C'est pourquoi les gens ne veulent pas laisser les ABI. Ils ne savent pas si c'est ABI, mais qui est encore en prison là? Même ABI et Seka, Dramane ne voulait pas les laisser. Parce qu'ils savent que c'est des guerriers. Ils connaissent leur background. Ils ont libéré un, mais il y a un encore qu'ils ne veulent toujours pas laisser. Et il y a d'autres qui sont en train de croupir en prison. Vous voyez, non? Guillaume Soro savait que celui-là, c'est le numéro 2 de Gbagbo. Un homme fidèle pour le pays. Parce qu'en guerre, regardez même dans les films. Dans les films, là, quand on voit prendre quelqu'un, un gars comme ça, et qu'on prend, le gars, on ne peut pas tuer, par exemple, l'enfant, ok, d'un brave. Il faut que le chef bandit donne l'ordre. Parce que soit on a besoin de lui pour faire prisonnier politique ou un truc comme ça. Donc, quand ils avaient le monsieur en ligne de mire, ils ont appelé Dramane Ouattara. Et même le monsieur a dit ça demain, il va vous montrer la partie. Parce que ça sera l'épisode 4. La mort de Ibé. Demain, on va parler de ce qui s'est passé dans la rébellion. Entre eux, les rebelles, comment Guillaume Soro a été mauvais. Vous allez connaître Guillaume Soro un peu. Même si tu n'es pas encore convaincu. Ce que je suis, il ne faut pas commenter à mal. Il ne faut pas m'insulter. On ne peut pas être bloqué. Mais même si tu n'es pas convaincu, allons-y. On n'a qu'à finir la semaine là. Tu seras convaincu. Qui est Guillaume Soro? Je vais t'aider à comprendre. Sinon, ce que je sais, ils ont appelé Dramane Ouattara. On dit, ah, il y a Désiré Tagro qui est sorti avec un mouchoir blanc. Drama dit, la guerre, c'est Guillaume qui gère. Donc, pardonnez. Lui-même, il était débordé. La France l'appelle ici. Les gens l'appellent là-bas. Les gens, donc, Drama, lui, il était toujours au téléphone. Donc, il était débordé. On était en guerre. Donc, il dit, mais Guillaume est là, c'est Guillaume qui gère. Là. Et c'est comme ça, les rebelles vont maintenant appeler Guillaume Soro. Parce que c'était un homme très important. Désiré Tagro. C'est un juriste de formation. C'est un monsieur crâneux. On ne peut pas le tuer comme ça. Comme, vous voyez, non? Même les rebelles savent faire la part des choses.
Ils ne l'ont pas tué sur le coup. Et Gbagbo l'a dit à la CPI. Gbagbo l'a dit à la CPI. Il dit, j'ai demandé à Désiré Tagro de sortir avec un mouchoir blanc. Mais André, ils ne se sont pas bien entendus. Non, ce n'est pas à la CPI. C'est à la TCI. Pardon, à l'hôtel du Golfe. À la télévision TCI. Parce qu'à ce moment, Gbagbo ne savait même pas que Désiré Tagro était mort. Mais il savait qu'il y avait des problèmes dehors. Parce que Désiré Tagro n'est plus rentré. Vous voyez? Et les gens ont mis du temps avant de libérer le feu. Puisque quand Désiré Tagro est sorti avec le mouchoir, ils ont dit motion, motion. J'ai les détails. Les rebelles ont dit arrêtez de tirer. Parce qu'en guerre, même les rebelles connaissent ça, sauf Guillaume Soro. En guerre, quand ton ennemi vient avec un mouchoir blanc, tu ne tires plus. Il dit que tu as gagné. Non tellement les rebelles de Guillaume Soro tuaient les gens autour de la présidence, Gbagbo Lora a dit, bon, comme moi je suis président là, tu vois un peu, non? Donc toi tu es mon bon gars, si toi on te voit, c'est qu'on m'a vu. Parce qu'avant, quand on dit Désiré Tagro, c'est Gbagbo Lora. Donc il dit, il faut sortir avec le mouchoir blanc, il n'a qu'à venir me chercher, je suis là, sors avec le mouchoir blanc. C'est comme ça les commandos qui étaient avec Gbagbo Lora, ils ont ouvert le portail présidentiel, ils ont ouvert les portes blindées. Et puis Désiré est sorti. Quand ils ont vu le mouchoir blanc, ils se sont calmés. Parce que c'est pour prendre Gbagbo Lora, pour que Dramane vienne au pouvoir. Mais Soro Guillaume, c'est pour éliminer toutes les personnes qui vont les gêner. Voici l'équation que vous devez comprendre. Donc, les rebelles ont arrêté. Demain, je vais vous démontrer ça. Ce n'est pas moi qui vais parler, c'est quelqu'un d'autre qui va parler. Les rebelles ont arrêté de tirer en direction de la présidence. Ils ont vu Désiré Tagro. Et ils l'ont bien reconnu avec le mouchoir blanc en l'air. Il est sorti comme ça, mouchoir blanc. Par conséquent, ils ont pris les talkies. Ils ont appelé l'hôtel du Golfe. Tous les chefs rebelles sont encore vivants. Dramane est encore vivant. Dramane, il est vivant. Quand ils ont appelé, Dramane n'a même pas fait une seconde avec eux. Il dit, mais c'est Guillaume Soro qui gère. On dit, appelez votre gars, c'est lui qui est le chef de la rébellion, c'est lui qui gère. C'est comme ça qu'ils vont appeler Guillaume Soro. On dit, on a Désiré Tagro dans ligne de mire. Puisqu'il a demandé, les gens ont dit que, il y a un mouchoir blanc. On dit, les gens veulent se rendre. C'est comme ça, il a dit, mais c'est qui? Et les gens ont dit, c'est un ministre là, Désiré Tagro. Désiré Tagro, il connaissait déjà tous les ministres de Côte d'Ivoire. Il dit, si c'est Désiré Tagro là, les gars disent, mais chef, on fait quoi? C'est comme ça qu'il a donné, il dit exécutez-les. C'est lui qui a donné l'ordre. Et pour le faire souffrir, ils n'ont pas tiré dans son crâne. Ils ont tiré dans sa mâchoire. Et toute la mâchoire était pendante comme ça. Il a perdu du sang. Mais c'est comme ça qu'ils ont mis dans un 4x4, une 4x4 bizarre. Et il est mort en cours de route. Comme un vulgaire. Comme un vulgaire criminel. Et c'est comme ça, il était au téléphone et puis il riait. Il dit, si on n'avait pas éliminé Désiré Tagro et Ibrahim Koulibaly, tu penses qu'on allait diriger à ce moment, il était président de l'Assemblée nationale. Il riait comme ça, Gia. Donc, qui vient nous dire la vérité? Mais les Ivoiriens t'entendent au tournoi, Guillaume Soro, au tournant. Ça fait combien de minutes? Non, 1h23. Ok, je vais partir. Chers camarades, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi. Malgré qu'il est très tard, mais il y a toujours 563 personnes, 116 personnes et 68 personnes. Merci à toutes ces personnes qui sont en ligne actuellement avec moi. Merci d'avoir suivi ce direct. Merci beaucoup. Et merci aux quelques personnes qui ont partagé et aux quelques personnes qui ont liké. Vous qui allez regarder en rediffusion, continuez de liker. Demain, on va aller à Boaké et on va voir ce qui s'est passé à Boaké. Je vais vous montrer des images que peut-être que vous n'avez pas encore vues. Je vais vous montrer des vidéos et on va débattre. Qui a cassé la BCAO de Korogo et de Boaké? On va voir cela. Quel rôle Guillaume Soro a joué même au sein de la rébellion? Qui a tué le rebelle dont ils ont mangé le cœur?
quels sont les hommes qui l'ont tué? Parce que dans la rébellion, il y avait deux groupes. Tout ça, on va en parler. Parce que parmi eux, les hommes de Guillaume Soro ont tué d'autres rebelles. Ils ont fendu et ils ont mangé son cœur vivant. C'est un tel homme comme ça, là, lui, là. Mais réveillez-vous, hein. Chers Ivoiriens, chers Africains, nous sommes dans un combat panafricaniste. Ces gens-là, on doit les mettre en prison pour être concentrés, pour être focus. Guillaume Soro n'a jamais critiqué la France. Depuis 2002, qui dit qu'il est, il est quelqu'un? Depuis même l'université, mais quoi? Oh, je suis à 3%. Ok, je vais vous laisser. Je vais vous laisser parce que je prenais encore une autre pente. Avec cela, on ne peut jamais être fatigué. On ne peut jamais être fatigué. C'est quand je vais couper que les courbatures vont me dire maintenant. Sinon, on ne peut jamais être fatigué. Chers camarades, je suis allemand le patriote. Je suis pragmatique, je suis véridique. C'est comme ça que je suis. La vérité, je préfère dire la vérité que de me renier. Je ne suis pas saint, mais je suis juste. Et je me connais, j'en suis fier. Ce n'est pas facile. Mais il faut des gens comme moi pour que l'histoire ne se fasse pas oublier. À demain pour la suite. Je vous remercie.